Bonjour, pour préparer un masfouf ou une salade de couscous à la grenade, dattes et fruits secs, nous avons besoin dans un premier temps pour cuire le couscous de 200 g de couscous fin, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de l'eau assez chaude, 1 cuillère à café de cannelle et 1 cuillère à café de graines de fenouil moulu et du sucre. Nous commençons directement par verser la semoule de couscous et l'enduire avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis la sabler entre les mains pour bien couvrir toutes les graines. Ensuite, l'arroser d'eau assez chaude, remuer un peu sans oublier la cannelle et les graines de fenouil moulu, puis laisser s'imbiber pendant une dizaine de minutes. Dans un deuxième temps, remplis le bas du couscoussier d'eau qu'on porte à ébullition. À ce moment-là, on verse le couscous dans le haut du couscoussier et on laisse cuire à la vapeur pendant 20 minutes. En retirant les graines avec une écumoire ou une fourchette. On arrose le couscous avec de l'eau chaude du couscoussier et on remue un peu avant de le laisser s'imbiber pendant 10 minutes. On ajoute le sucre glace. Et voilà, il n'y a plus qu'à dresser. Pour cela, on a besoin de 200 g de graines de grenade, 50 g de noix, 50 g de pistaches et une vingtaine de dattes dénoyées et coupées. On commence par ajouter les graines de grenade et dattes au couscous et on mélange le tout. Puis on procède à la décoration. On enchaîne avec les pistaches. On finit par les noix. Et c'est prêt.